Deux secondes. Il est où là, monsieur Robert? Bonjour monsieur, vous souhaitez rencontrer monsieur Robert? Oui, j'aimerais bien le voir, j'ai deux mots à lui dire. Monsieur Robert n'est pas disponible pour l'instant. Puis-je vous renseigner? Non, c'est lui que je veux voir. Ah bah tiens, je le vois. J'en ai pour 2 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Robert ne vous répondra pas si vous forcez sa porte. Si vous voulez trouver une solution, je peux regarder sur votre compte. Bon, écoutez, il y a votre machine là qui a avalé ma carte. Mon compte est bloqué parce que je suis en négatif alors que j'ai déposé un gros chèque il y a 4 jours. Et je dois prendre un train dans 1 heure parce que je pars pour la semaine, il me faut 500 euros tout de suite. Les chèques peuvent prendre du temps avant d'être crédités. Vous le savez, vous auriez dû anticiper. Super, ça m'aide beaucoup. Bon, vous n'avez pas une solution plutôt que de jouer les maîtresses d'école? Un instant, s'il vous plaît. Suivez-moi. Alors, est-ce que vous connaissez votre numéro de client? Ah non, je me balade pas avec. Puis en plus, il était sur la carte que votre machine m'a avalée. Si vous aviez vérifié votre compte, ça ne serait pas arrivé. Vous êtes monsieur? Tornet, Jack Tornet. Ah bah oui, c'est un chèque de l'étranger. Vous auriez dû prévoir que ça ne serait pas crédité tout de suite. Ça peut prendre 10 jours. Mais je n'ai rien à faire de vos délais. J'ai mis de l'argent, je veux le récupérer. Ah bah pour ça, il fallait prévoir avant. C'est à vous d'anticiper les règlements. Maintenant, je vais vous expliquer comment sont crédités les différents moyens de paiement. Oui, bon, j'ai pas le temps de vous écouter. Là, vous me donnez de quoi faire mon voyage, c'est tout ce que je vous demande. Et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dépanner momentanément? Dans l'heure, là? Attendez, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai pas d'autre solution. Puis c'est votre job de me donner l'argent, non? Alors voilà ce que nous pouvons faire, monsieur Tornet. Je vais augmenter votre autorisation de découvert de 500 euros sur votre carte bleue, comme vous le souhaitiez. Et nous allons la récupérer dans l'automate, ce qui vous permettra de partir immédiatement. Et je pourrais tirer de l'argent tout de suite? Ah bah ça, je suis pas sûr. Hein. Mais si vous avez votre billet, vous pourrez patienter. Eh bon, ça dépend combien de temps. On va chercher la carte.